commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte, privée de son dieu protecteur, vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. La paix et la prospérité semblent devoir régner pour un temps sur le royaume d'Égypte. Aussi le pharaon Merenré a-t-il décidé de profiter de cette accalmie pour préparer sa future demeure d'éternité. Eh bien, Seigneur, ton image d'éternité te convient-elle? Une fois encore, je dois te féliciter, Rahotep. Ton travail est parfait. Je fais seulement de mon mieux, Seigneur. Rahotep est un vrai magicien de la pierre. D'ailleurs, j'ai une surprise à te montrer, Papyrus. Tu viens, Apu? Oh! Regarde, Papyrus. Pas mal. Un peu idéalisé, peut-être, mais bien sûr, je sais que les princesses aiment à être flattées. Parisis, tu n'es qu'un petit pêcheur jaloux. Je rejoins mon père. Les affaires du royaume nous attendent. Allez, Apu, on y va. Telle est la volonté de sa très capricieuse majesté. Hein? Oui, Apu, viens. Malheur. Oh, malheur sur l'Égypte. Va, Idir! Va et frappe pour la victoire de Seth! Le pouls de ton père est très faible, Téti. Dis-moi la vérité, Rahouser. Ces jours sont-ils en danger? Oui, princesse. Merenré, mon frère. Oh, j'ai appris l'horrible nouvelle. Ames, quand la mort rôde, les chacals ne sont jamais loin. J'ai renié Seth, Papyrus, tu le sais. Je suis désormais un fervent partisan d'Horus. Facile à dire. Oh, mon frère, je t'en conjure, ne meurs pas. N'y a-t-il rien à faire, Rahouser? Pharaon est victime d'un maléfice. Oh, Rahouser, tu es le meilleur médecin et le plus grand magicien de toute l'Égypte. C'est trop d'honneur, Amès. La preuve en est que je ne peux rien contre ce maléfice. Je trouverai le coupable, frère bien-aimé. Je t'en fais le serment. Ta mort sera vengée. Le chacal changé en agneau? Je n'y crois pas. Amès est un esprit tourmenté. Il n'est pas toujours facile d'en percer les secrets. Oh. Pharaon? Le cœur de Pharaon? Malheur sur l'Égypte, qui a osé l'arracher? Arrête! Oh. Ne fais pas l'innocent, oh. Rahotep. Mais je te reconnais, tu es Amès, le frère de Pharaon. En effet. Autant dire que tu ne dois t'attendre à aucune clémence de ma part. Reconnais-tu ce coffret? Bien sûr. C'est un cadeau de Pharaon. Oh! Oh! Je t'accuse d'avoir attenté à la vie de Pharaon, Rahotep. Oh. J'ai trouvé le coupable. Qu'as-tu appris, Amès? Parle. C'est le sculpteur Rahotep. Rahotep? Mon père a toujours eu toute confiance en lui. C'est impossible! Impossible? Voilà pourtant ce que j'ai trouvé chez lui. Pas Horus? Seth? Oui, Rahotep est un traître, complice de Seth.
C'est lui qui a jeté un sort à Pharaon, avec l'aide de la magie du dieu Dombos. Il a d'ailleurs avoué. Où est-il? En l'interrogeant, je pourrais trouver le remède qui sauvera Mirenré. Ah, c'est que... Hélas, tu n'en tireras désormais plus rien. Après son aveu, il a sombré dans la folie. La folie? Oui, mais je dois vous laisser maintenant. Je veux être sûr que Raotep a bien agi seul. Rauser, n'y a-t-il vraiment plus rien à faire pour sauver Pharaon? Si, Papyrus. Mais cela dépend de toi. Écoute bien, petit pêcheur. Seul le dieu Khnoum, le divin potier qui façonne les êtres, peut encore sauver Pharaon. S'il meurt, c'est l'Égypte qui est perdue. Fais bien attention à toi, petit pêcheur. Bah, affronter les dieux, combattre les 1000 démons de Seth, je finis par être habitué aux missions de Rauser. Aie confiance, Papyrus. Je serai avec toi par la pensée. Par la pensée? Alors je pars tranquille. Sois courageuse, princesse. Moi, je vais invoquer les dieux pour aider ton père et Papyrus. Apu sait. Apu a vu. Apu? Qu'est-ce que tu as vu? Apu a vu. Il faut le suivre. Tu as trahi Pharaon. Tu mérites ce qui t'arrive. Vous pouvez encore échapper au châtiment. Ah oui? Et comment? Dis-le pour voir. Parisis. Raoute. Apu voit tout. Libérez-moi, ou tôt ou tard, vous serez puni et démasqué. Par toi, peut-être. Il n'a pas l'air si fou que ça. Je suis sûre qu'il est innocent. Il faut le sortir de là. Tia. Tia acceptera sûrement de m'aider. Il était temps. Hein, compagnon? Misérable petit pêcheur, tu as soif, n'est-ce pas? Eh bien, bois! Oh, cette grande force que Papyrus ne parvient jamais chez Khnoum! Qu'est-il passé? Sois sans crainte, Papyrus. Moi, l'ibis sacré du dieu Thoth, je te conduis au royaume de Khnoum. Parisis. Qui a pu oser pareil sacrilège? C'est ton dernier mot, Raotep? Oui, Ames, le dernier. Réfléchis bien. Ames? C'est une chance que je t'offre. Une statue de toi, jamais, Ames. Oh. Alors tant pis pour toi. Si tu refuses de coopérer, tu n'es plus qu'un témoin trop gênant. Oh. Cette fois, cher frère, personne ne peut plus te sauver. L'heure est arrivée. Rassure-toi, tu ne souffriras pas. Au nom de mon père, Pharaon, je t'ordonne de te rendre. À moins que tu ne préfères jouer à la balle avec moi. Barbès, attention! Oh, bien joué, princesse. Avant tout, il faut trouver un endroit sûr pour te cacher, Raotep.
Oui, mais lequel, princesse? Les gardes d'Amès vont passer la ville au peigne fin. Merci. Je me présente, Tia, princesse des voleurs de Thèbes. Quant à une cachette sûre, que diriez-vous de mon palais? Hein? En remettant le cœur de pierre à sa place, il y aurait une chance de sauver ton père. Mais ce cœur, où est-il? J'ignore par quelle magie il a été arraché la statue de Pharaon, mais je suis sûr qu'il est entre les mains d'Amès. Tia, je crois que je vais avoir encore besoin de ton aide. Moi, entre princesses, j'imagine que tu voudrais discrètement visiter les appartements d'Amès. La première cataracte, la porte du royaume de Khnou. L'entrée, d'accord? Allons, princesse. Ah, mais c'est plus intelligent que ça. J'ai déjà vu ce coffret et Raotep a bien dit. Je sais, mais ce coffret-là est un leurre, c'est évident. Il faut chercher une vraie cachette. Voyons. J'ai toujours eu le cœur trop tendre. Alors, princesse des voleurs, tu parlais d'une vraie cachette? En tout cas, dépêchons-nous. Il ne faut pas perdre Amès de vue. Il va nous falloir une barque. Oh, Paorus, voilà donc le tour où le divin potier façonne tous les êtres. N'aie pas peur, Papyrus. Approche, moi, Khnoum, je t'attendais. Tu m'attendais? Alors, oh, Khnoum, tu sais ce que je suis venu te demander. Sauve Pharaon. Il n'est pas facile d'aller contre le cours des vies et des morts, mais j'accepte d'aider l'élu des dieux. Entre, Papyrus. Oui, Papyrus, ici sont rassemblés les modèles que j'ai façonnés de tous les êtres qui vivent sur Terre. Ceux des morts sont tombés en poussière. Ta tâche est simple. Trouve Mérénré. Alors, j'agirai. Mais c'est impossible, Dieu grand. Je n'y arriverai jamais. Telle est ma loi, Papyrus. Mais attention, en aucun cas tu ne dois voir ton propre modèle. Mais pourquoi? Oh, Khnoum! Oh. Oh.
Non. Allons-y. Rautep avait raison. Par tous les dieux. Chepsy. Par Horus. Teti. Papyrus. Oh. Oh. Mais qui es-tu? Qu'importe mon nom. Sache seulement que je peux te guider vers ce que tu cherches. N'aimerais-tu pas connaître le visage de tes parents? Mes parents? Mais... Allons, Papyrus. C'est une occasion unique. Très bien. Mais promets-moi de me mener ensuite à la statue de Mérenri. Mais bien sûr, Papyrus. Je connais l'importance de ta mission. Nous avons réussi, Tia. Si Rautep a dit vrai, mon père est sauvé. Oh, oh. Teddy ? Teddy ! Serait-il possible que... Nous y sommes, Papyrus. Regarde le visage de ton père. Oh ! Par tous les dieux ! Tu as osé enfreindre l'interdit de Knoum. Non ! Tu vas mourir, Papyrus. Tu m'as trompé. Tu es une créature de sept. Oh, sept ! Ta victoire est proche ! Princesse Teti, Tia, par tous les dieux, que s'est-il passé ? Le cœur de Mérenré, elles ont réussi. Tu ne veux pas que je touche au cœur de Pharaon ? Allons, relève-toi. Non, je renonce. Tu n'es qu'un lâche, Papyrus. Aurais-tu peur de toi-même? Je n'ai pas peur, mais ce combat est absurde. Que veux-tu dire? Tu es moi et je suis toi, n'est-ce pas? Si tu me tues, tu mourras en même temps que moi. Mais si c'est moi qui te tue, je mourrai aussi. Entre nous, il ne peut y avoir de vainqueur. Tu as transgressé mon interdit, Papyrus, mais tu es sage et malin. Tu as raison. Ce combat est absurde. Oh, Knoum, je reconnais que j'ai commis une faute, mais j'ai été trompé par une créature de sept. Oui, Papyrus, c'est pourquoi je te donne une deuxième chance. Trouve Mérenré. Mais tu le sais, c'est une tâche surhumaine, tu le sais. Oh, puissance maléfique de sept, quitte le cœur de Pharaon. C'est bien, le cœur de Pharaon est purifié. Oh, dieu d'Égypte, que le cœur de Mérenré reprenne sa place. Aidez-moi! Non, c'est impossible, jamais je n'y arriverai! Lève d'Horus, je ne suis pas digne de toi. Ne renonce pas, Papyrus.
Les pouvoirs du glaive d'Horus sont à la mesure de ton courage. Nebu ! Oh, glaive d'Horus que m'a confié la déesse resplendissante ! Aide-moi à retrouver la statue de Merenri ! Guide mes yeux, guide mon bras ! Là ! Oh, malheur! Malheur sur l'Égypte! Merenri, enfin! Pharaon! Non! J'ai joué, Déti! Jamais tu ne me pardonneras! Non, Papyrus, tu n'as pas échoué, et c'est maintenant à moi de tenir ma promesse. Incroyable! Oh, c'est un miracle! Mon frère vit! Par les dieux, je suis perdu. Sois remercié, ô Khnoum. Grâce à toi, Pharaon revit. Mais tout n'est pas fini, Papyrus. L'Égypte a encore besoin de toi. Ô Seth, il est encore temps! Déchaîne tes forces! Glaive d'Horus, que ta magie triomphe du maléfice de Seth. Quant à moi, je voudrais bien savoir pourquoi tu as tellement insisté pour que je t'accompagne chez Rahotep. Surprise, Papyrus. Sois patient pour une fois. Oh, bonjour, les amis. Tu viens sans doute pour... la surprise. Je suppose que sa très coquette majesté a commandé une nouvelle statue de sa royale personne. Par ici. Par les dieux! Évidemment, ce n'est encore qu'une esquisse en argile. Par Isis, mon cadeau ne te plaît pas? Pardonne-moi, mais je crains d'avoir vu assez de statues pour le restant de mes jours. Eh bien moi, je suis sûre que beaucoup de petits pêcheurs rêveraient d'avoir leur statue. Eh bien moi, vois-tu, je suis un petit pêcheur qui ne rêve qu'à une chose. Aller à la pêche. Mmh.